Bonjour à tous, ici Sprulex pour ce 14e épisode de Let's Play sur Two Point Hospital. Alors, dans l'épisode précédent, nous avions fait ici Smugly. Eh bien, on va passer maintenant à Meltdowns et voir un peu ce que cet hôpital abandonné peut nous apporter. Ok, c'est parti. Un hôpital abandonné près de la centrale électrique. Hôpital de Meltdowns. La centrale de Meltdowns semble avoir quelques problèmes techniques. Bungle Technologies, les propriétaires de la centrale, ont adressé un communiqué pour informer la population que tout allait bien et qu'il n'y avait pas de besoin de paniquer. Le jour même, ils ont évacué cet hôpital à proximité. Apparemment, une expérience de leur département recherche s'est mal déroulée. Le maire Winsock nous a demandé de prendre le relais. Nous avons trouvé des documents éparpillés un peu partout, nous pourrions peut-être continuer leur recherche. On dirait que l'hôpital, que l'endroit a besoin d'un petit nettoyage avant. De plus, des rumeurs circulent sur d'étranges patients dans la région. Bonne chance. L'hôpital est rempli de déchets, des poubelles et un agent de maintenance. Bon, hop, agent de maintenance directement, anti-fantôme. Ça me paraît bien. Ah oui, c'est... Bon, au moins... Ok. Donc là, on va commencer à nettoyer. Directement, on va mettre un bureau de généraliste... sur 3 avec une porte comme ça, le strict minimum pour commencer. Voilà, ok, on va mettre une réception, pour l'instant une bête réception toute simple. On va embaucher bien entendu un assistant. Ça, c'est bien. C'est quoi? C'est service à la clientèle, vitesse, et on peut l'utiliser pour le marketing s'il faut. Voilà, on embauche un docteur Bénédicte. Et on pourra attendre nos premiers patients. Alors, débris. Ramasser. On va les poser pour l'instant là-bas. Tiens, liste des maladies. J'ai appuyé sur. D'accord. Ah, ça c'est bien. Alors, examen des salaires, ici vous pouvez vérifier, blablabla. It's time to turn your liste des patients, ok. Donc, that's right. Ricky Hawthorne. Ah oui, d'accord, liste des patients. First, a lively little song to kick things off. Maladie. D'accord. Bon. C'est en appuyant sur donc 1, 2, 3, 4, 5 et compagnie. Hein. Alors, notre premier patient, qu'est-ce qu'il lui faut? Diarrhée verbale, une pharmacie, faire attendre. Salle, pharmacie. 3 sur 4. Très bien, une fenêtre, voilà, et c'est tout. J'ai pas regardé pour les températures. Alors, les couches, ok. On va quand même mettre des radiateurs. Un ici. Un là. Et on est parti. Il nous faut un infirmier. Oh, bah, Brian, toi, t'es bien. T'es tranquille.
Alors on peut vendre les débris. Bah on va les vendre, allez. C'est quand même dommage. Oui, on va attendre un peu avant de faire ça. Pour l'instant, tout va bien. Sympa. Alors pour l'instant, tout va bien. On va accélérer un peu les choses. On est presque en positif. Donc maintenant, il faut de plus en plus de patients et s'en occuper le plus rapidement possible. Donc déjà un banc au niveau des traitements et un au niveau du généraliste. Donc 6000 pour chaque traitement, ça c'est bien. Ouais, c'est pas non plus exceptionnel. 30 000 pour ce terrain. Alors je vais en profiter, on met quelques éléments. Ah, premier mort. Une balance, une poubelle près de la porte. Je vais même modifier pour mettre une fenêtre. Voilà, on valide. Alors, on va vendre, on va mettre une grosse poubelle. Donc le radiateur, c'est bon. Vitrine à trophée, c'est toujours bien. La machine à café, on la met là. Un UK près du radiateur. Ouais, c'est tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Décision concernant le diagnostic. Donc, il est déjà passé par toutes nos salles de diagnostic, mais nous sommes certains qu'à 87%, on lui fait attendre. Et on va rajouter une salle de diagnostic général. 3 sur 4. Voilà. Bien, une fenêtre, un radiateur et on pourra l'ouvrir. Alors il faudra penser à mettre une salle de repos pour nos médecins. On la met là pour l'instant. Voilà. Une cible de fléchette, une télévision.
distributeur de boissons. Donc à boire et à manger. Zut. Voilà. Et on valide. On va également mettre des distributeurs pour nos patients. Quoique, je le mets là. Et il va me manquer. Non, c'est bon. Ok. Alors, message. J'adorerais avoir une grande salle de repos. Blablabla, niveau 5. Rejeté parce que pour l'instant, c'est pas la peine. Alors, on va embaucher. On embauche un deuxième médecin qui fait du diagnostic. Ça, c'est bien. Alors, on va embaucher un deuxième infirmier. Un polyvalent. Voilà, j'ai oublié de mettre un radiateur dans la salle. Voilà. Un assistant. J'ai bien les 4 distributeurs différents. Pour l'instant, tout va bien, mais... Alors, rabat-joie à la pharmacie. Ok. Alors, de temps en temps, on n'arrive pas à soigner. Alors, attention. Attention, activité sismique détectée dans la zone. Cela pourrait endommager nos machines. Ok. Alors, on va continuer, on va mettre une salle de cardiologie pour les... Voilà. On recule un peu, on met le moniteur mural. On va mettre une fenêtre. Un radiateur. Et c'est tout pour le moment. On valide. Alors, c'est qui qu'on appelle? Les chasseurs de fantômes, hein? Ah, c'est bon, on a un chasseur de fantômes. Et là, on va prendre Melinda. Alors, salle commune nécessaire, faire attendre, mise à jour. Ok, salle commune, faire attendre. Donc, on va faire une petite salle commune juste ici. Avec deux lits. Je te colle pas. On a besoin d'un radiateur. On a besoin d'un paravent. On a besoin de lit.
Petite salle commune. Un infirmier en plus. Hop, Sylvia, c'est très bien ça. Alors, on va acheter. C'est 30 000. Hop, on achète. Ouais, c'est relativement propre. Donc ici, on recycle les débris. De tête d'ampoule urgente. 7 patients, j'ai pas encore, je vais dire oui. Hop, je mets en pause. Je crée ma salle de tête d'ampoule. Ici, on va mettre un Yuka. J'ai besoin du terminal. Ah, je le mets plus loin, ou je le mets comme ça plutôt. Voilà, et le terminal ici. Voilà, et on va dire. Hop, modifier, de mettre une fenêtre. On valide. Voilà, ce sera mieux. Embaucher un deuxième, un troisième docteur. Alors, nouvelle maladie, tête d'ampoule, on connaît. Donc, les maladies qu'on connaît, les voilà. On va mettre deux bancs. On va mettre un radiateur. Ok, bon, un mort. Jusque là ça va. In today's gossip roundup, Mrs. Eggshock is still wearing that leg cast we all know is a fake. The squatters in number 19 Mud Street have put up new curtains, and a new species of venomous spider is poised to infest our homes this summer. More gossip next time. Alors, je vais mettre des toilettes ici. Là. Bon, hop, on va en retirer. J'ai besoin d'un petit radiateur. Et d'un autre ici. Une grosse poubelle juste là. Une plante à côté. Alors, j'ai besoin de lavabo.
de lavabo, un sèche-main. Et on valide. Ok, pour l'instant, un seul échec pour le tête d'ampoule. Et j'ai réussi à faire mes 7 là. Presque. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Nouvelle maladie, lycanthropie, d'accord. 6 sur 7, j'ai gagné 10 de réputation, 10K et 10 000 dollars. Ok, parfait. Pour l'instant, tout se passe bien. Faudra que je fasse de la recherche et tout ça. L'hôpital est rempli de déchets. Bah oui, mais bon. Je vais mettre des poubelles. Hein. Alors ici, je vais mettre jeu d'arcade. Ne pas perdre l'espace. Allez, on peut voir déjà la première année. Étoile montante. Ok. After four rudderless years, Two Point County has never been in greater need of strong leadership. J'ai besoin... Non, j'ai mis un radiateur là, donc tout va bien. Tabitha Winsock in the mayoral elections. Tabitha Winsock, wrong but stable. Serving Two Point County. This is Two Point Radio. Voilà. Non, mais t'es pas obligé de vomir aussi là-haut. Alors, on va pas améliorer parce qu'on n'a pas de gars de la maintenance qui sont bons en amélioration. Alors, qu'est-ce qu'on a? Randy Marmelade, assistante en chef. Défi, gagner 100 000. On peut tenter, mais pour cela, il faudra... oui. Il y en a certains qui étaient un peu électrifiés là, non? Ou j'ai rêvé? Ah oui. Ok, je vais mettre un deuxième généraliste. Voilà. Minimum. Voilà, on valide. Alors, crise de magnétisme animal urgente. Donc, cette patiente souffrant de magnétisme animal, je dis oui. Je mets en pause. Je crée une salle de haleine de hyène. 4 sur 4. Voilà, on met un radiateur. Un extincteur. Et on valide pour l'instant. Alors, je suis toujours en déficit, mais ça devrait aller. J'ai encore un infirmier. Jack Peach, allez. Hop. Mince.
After the Daily Sneer reveals the shockingly low wages Jumbo pays most of its employees, the company has launched an internal investigation into the matter. It says it hopes it'll soon be able to pay no wages at all. D'accord, ils ont des étoiles de mer ou je sais pas quoi sur le... Ah, quoi que non, c'est des chats. D'accord. Très bien. Ok, on a un inspecteur qui arrive à l'hôpital. Tout a l'air à peu près propre. Je vais mettre un banc. Tiens, je vais débloquer un autre banc. Non ? Il n'y a pas d'autre banc à débloquer, il me semblait pourtant. Alors, élément. Ah si, banc violet. On va voir un peu. Un banc quoi, un banc qui se trouve être violet. Augmente le confort. Allez, hop, le banc violet. Pour changer un peu, pour... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mono sourcil. Ok. C'est en salle commune. Voilà, mon défi est gagné. Très bien. Traitement en éclair nécessaire. Voici un. Alors, horreur électrique. Voilà ce qui arrive lorsqu'on met en même temps un couteau dans un grille-pain et une fourchette dans une prise électrique. Le patient cherche à se faire soigner. Il faudrait un traitement éclair pour le traiter. Je n'en ai pas. Je dois faire la recherche. Je renvoie au domicile. Ok, si tu pouvais réparer rapidement pour qu'on soigne le dernier des patients, là. J'en ai déjà guéri 6 sans problème. Maintenance announcement. Bins will become full. Chance de guérison, 80%. Ok, alors attention. Activité séismique, sismique pardon, détectée, ok, traitement éclair envoyé, défi, j'ai gagné, 15 de réputation, 15K, 20 000. Très très bien. Traitement éclair envoyé au domicile. DJs, some of them on this very station. Alors impressionné, moins 10 de réputation. Aïe aïe aïe. Donc ici il y a un hôpital dangereux. Je ne recommande à personne qui souhaite aller mieux. Cependant, il reste une lueur d'espoir. Ok, bon. Alors ma salle commune, ben, je vais en faire une nouvelle, ce sera plus simple. Faire là-bas. Alors 4 sur 8. 3 sur 8. Si je fais comme ça, oui, je vais faire comme ça. Alors avec une porte. Impossible. Ok, là. Ça et là. Très bien. Voilà, ça me fait 2, 4, 6. J'ai besoin de deux petits radiateurs.
là et un ici. On va tout de suite le terminer, hein, le... Voilà, un casier ici par exemple. Et un casier là. Une balance là dans le coin. Une grosse poubelle vers l'entrée. Une plante. Je peux pas. Ici. Une horloge pour voir le temps qui passe. Là. Et c'est bon. Bon, ok, à mort. Ici, on va fermer. Alors, élément, je vais mettre de quoi vendre. Boutique souvenir. Juste là. Alors, les électriques, bon, demande de formation. On s'en tape. Promotion, ok. Traitement éclair, renvoyé. Traitement éclair, renvoyé. Labo AD nécessaire. Nos médecins ont découvert une nouvelle maladie. Gène de Jean. La peau prend l'apparence d'un jean. Cela provoque de terribles irritations, notamment à cause du temps nécessaire pour se sécher après la douche. Les experts pensent que cette maladie est liée aux jeans génétiquement modifiés de Bungle, lesquels ont depuis été retirés du marché. Le patient cherche à se faire soigner. Il nous faut un labo ADN pour le traiter. Renvoyé au domicile. Attention. Activité sismique, crise de fracture urgente. Oui, mais il faudra que je passe. Je mets en pause. Donc j'ai besoin d'une salle des fractures. Je vais devoir acheter ici. Je vends ça. Alors, salle des fractures. Salle commune des fractures. Ok. Hop, 8 sur 4, c'est très bien. Non, on va le mettre comme ça ici. Un peu comme à l'autre. Hein. Voilà. Très bien. Et là. Alors, faudra mettre des radiateurs, donc voilà, petit radiateur directement. À cadre. Voilà. Bon, à 5, ce sera déjà bien. Quelques casiers. Un seul casier qu'on va mettre ici. On va mettre un moniteur mural ici. Une balance là-bas dans le coin. Une poubelle à côté de l'entrée. Un Yuka ici. Encore un radiateur. Non, ça va pas. Voilà, c'est mieux.
Ok, on valide. Alors, le tremblement de terre. Waouh, il y a 11 personnes qui attendent. On va mettre un deuxième infirmier. Qu'on va embaucher, hein, infirmier. David Pullover, c'est très bien. Bien, la tête bleue. Alors, nouvelle maladie, blessure huméristique. Ok, donc, les patients ne trouvent pas cette blessure au bras très drôle. Donc, salle des fractures, demande de formation, forcément, on peut pas encore. Alors, on a besoin d'une salle de formation. 4 sur 3, pour l'instant, c'est plus qu'assez. Voilà, un tableau blanc. Un radiateur en priorité. Une machine à café important. Alors, bibliothèque. Je sais pas ce que c'est comme bibliothèque. Alors, hop. À trophée, ça fait toujours plaisir de les voir. Une plante entre la machine à café et les bibliothèques. Une grosse poubelle. À côté du radiateur ici. Et c'est tout. On valide. Ok, alors, formation. Qu'est-ce que tu as? Tu as de la vitesse, tu as la réparation, tu as les fantômes. Eh ben, on va te faire en maintenance 2. Avec un formateur externe. Commencez. Traitement éclair nécessaire, envoyé au domicile. Je ne sais pas le faire. Alors, salle, recherche. On va commencer à faire... de la recherche. Est-ce que tu es la recherche? Tu es là. Alors, on va les mettre presque l'un en face de l'autre avec un tableau blanc. Une grosse poubelle à côté. Bien entendu, le radiateur conventionnel. Et le yucca pour faire joli. Ok, on valide. I've never actually seen any of her pieces, but I'm told they're very good indeed. Keep up the sterling work, Sally. Alors, non. Alors, on va améliorer. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut le labo ADN. Lancer le projet. Hop, renvoyer au domicile, renvoyer au domicile, renvoyer au domicile. Mise à jour de réputation. On n'a pas beaucoup parlé de l'hôpital, ok. Et défi personnel. Éradiquer 5 monobêtes que je n'ai pas encore trouvé. Rejeté. Ok, sa formation est faite. Elle peut être promue. Labo ADN, renvoyé au domicile.
Alors, je vais faire des toilettes ici. Ah, un mort. Traitement éclair envoyé au domicile. Je peux pas tout faire. J'ai besoin d'embaucher un docteur spécialisé en recherche. Oui, bah, toi, tu es très bien. Hop. Voilà. Traitement éclair envoyé au domicile. Alors, encore des toilettes. De ce côté-ci. Voilà. Voilà, trois toilettes, c'est très bien. Un sèche-main juste là. Un radiateur juste là. Une grosse poubelle dans le coin. Deux lavabos. Enfin, quoi que non, un lavabo. C'est plus cassé. Et une bête plante. Et on valide. Alors, on peut améliorer, mais il me faut un qui sait améliorer. Embaucher. Agent de maintenance. Nodi. Transformer. Tu es très bien et tu vas tout de suite améliorer la machine. Ok, prix et bilan annuel. Et on devra arrêter. Ok, on a un peu amélioré. Donc, annonce spéciale, le blessure humoristique. 3 sur 5, ok, c'est la moyenne. Donc, 10 de réputation. Parfait. Ok, on se sent à peu près bien. J'ai besoin d'encore d'infirmiers en plus. L'hôpital est rempli de déchets, pourtant... quasi plus rien à terre. Hein. Alors, on va mettre vite fait quelques radiateurs avant de s'en aller. His suggestions were sponge, curvature, and plonk. Well, those are very nice words, John, so I'll let that stand. Très bien. Vite, un radiateur là. Et un radiateur là-bas. Oh là! C'était quoi cet éclair là? Ok, parfait. Là il y aurait une pièce donc ici on va vendre. Oui, voilà, et ben ce sera tout pour cette fois-ci. On reprend dans le prochain épisode. Petite sauvegarde rapide et voilà, je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire avec les commentaires, avec les pouces en l'air. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et surtout, portez-vous bien. Bye.